Attends deux secondes, voilà. Ouais. Oh, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Bad Guys at School. Donc, nous sommes un gars vraiment pas très gentil à l'école et on va embêter les gens, tu vois ce que je veux dire. Alors bien sûr, je n'encourage absolument pas ce type de comportement parce que, voilà, tu peux taper les gens, tu peux taper des hagra. La hagra, ça ne paye pas, voilà ça. Ça fait que tu peux te faire éclater, voilà. Alors on a tapé la mauvaise personne, il est en train de se défendre. Mais c'est bien, il faut pas se laisser faire, Roya. C'est ça à l'école. Si tu te fais hagar par un gars, bon je dis pas, c'est pas un très bon message. Là c'est comme combattre le feu par le feu. Mais bref, en gros, on se laisse pas faire. Voilà ce qui t'arrive, tu deviens Nino, Roya. Salut, c'est Nino. C'est pas bien de hagar les gens, littéralement. Excusez-moi madame, juste prendre ça. J'espère que ça vous dérange pas. Allez, let's go. Ça dégage. Wow, je savais pas qu'on pouvait faire ça, frérot. Attends, c'est lui qui m'a éclaté tout à l'heure. Ah voilà, je me suis dit, solide lui. Toi si ça dégage, toi si ça dégage. Wow. Allez, on va balayer tout le monde, Roya. Ça dégage, ça dégage, ça dégage aussi, frérot. Et hop là, wow. J'ai cru qu'on allait l'envoyer sur le toit. Du coup, on doit taguer 5 murs comme première mission. Donc nous allons taguer des choses à... Mais qu'est-ce que tu fais, meuf? Je suis en train de taguer, s'il te plaît. Des trucs assez gentils, mais t'as capté. En mode, faut pas nous tenter, si tu vois ce que je veux dire ou pas. On a fait un gros smiley méchant comme ça. Ça c'est l'emblème de... Ouais, j'ai fait... Oh non, je me suis fait choper, oh là là. Bah ouais, il faut recommencer maintenant. Ah, il est là le frérot, tranquille. Ok, je te reprends là où je t'ai laissé. Tellement loyal le frérot, c'est pas possible, je le mérite pas. Le prochain adulte que je vois, gros, je vais lui shooter sa mère. Évidemment, encore une fois, je ne cautionne pas le comportement de cet individu. Hein. Bah, finalement, ça part sur une dame en jupe là. Ok, c'est bon. Putain, le pauvre frérot, il peut même pas se reposer tranquillement. C'est abusé de faire ça, mec. Ah. Non, reste là, mon ref, j'ai encore besoin de toi. Hé, hey, non, non, je l'ai bloqué, le frérot. Non, putain, je l'ai mis dans le mur, et hey. Ouais, on est là. Ouais, une grande croix. Une belle grande croix, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça fait plaisir. Maintenant, j'ai l'inspi, je vais faire un mec de profil. Je vais faire comme mon œuvre de tout à l'heure, mais de profil, t'as capté? Le front, il est grave petit, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Tac, des cheveux comme as. Voilà, oh, c'est stylé. Moi, j'aime bien, wesh. Petite beubarre comme ça. Et voilà le travail. Faut quand même pas qu'on rate ça, c'est le dernier. Oh, la piscine. Attends deux secondes, là, je peux nager. Ouais. Oh, ça fait trop plaisir. On peut taper des gens, là. Ouais, je peux me taper avec des gens dans la piscine, c'est n'importe quoi. Attends, on ressort. Il va me suivre ou pas? Wesh. Mais ils sont avec des palmes. Comment tu peux courir avec des palmes? Et il est fort, lui, franchement. Oh, ça me rappelle la map dans un jeu d'horreur éclaté que j'avais fait. Hey, hey, hey. Attends, on va s'éclater ici, mon ref. Toi, tu fais trop le malin. C'est bon, là, je rigolais avec toi un peu. T'es sorti avec tes palmes. Voilà. Salut, c'est Nino. On va faire Titeuf. Putain, Titeuf, en vrai, c'est un peu chaud. Il a une bouche comme ça. Après, ses yeux, c'est un bail comme as. Et après, il a une tif de ouf. Voilà. Je sais pas si c'est Titeuf, ça, ou c'est quoi. Après, il a une oreille. Bon, en tout cas, le jeu, il a apprécié. Voilà, c'est Titeuf, les chèques. Maintenant, je dois aller voir les mauvais gars pour qu'ils me donnent la suite des missions. Attends. Oh, ta race. Ah, il court vite, quand même, hein. Il court vite, l'adulte. Attends, je prends ma mission. Ouais, je suis en train juste de passer par là. Ok, next mission, c'est quoi? Balancer des papiers en avion. Enfin, des avions en papier. Sur les gens. Ok. Ah non, sur les filles au dortoir. Oh, oh. En fait, faut le balancer à travers la fenêtre. Ok, regarde. Magnifique. Wesh, on dirait j'ai vraiment un avion. C'est pas possible, wesh. Le truc, il descendait jamais. Ça pouvait continuer longtemps comme ça. Attends, lui, je vais me le faire. Je vais finir par me le faire un de ces quatre. Je vais finir par me le... Dégage. Non. Voilà, c'est bien. Oh là 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 là. Attends. C'est quoi la mission, les reilles? Il faut éclater la voiture du proviseur. Vas-y, je suis hors de l'école. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, t'es vraiment con, hein. Regarde, il fait quoi? Regarde-moi ce teubé. Mais Roya, t'as pas de qualification, toi. Hein. Attends, on va gérer des moutons, c'est mieux pour toi, frère. Oh, il a eu me choper. Ah, mais il faut du cardio, hein, pour être un mauvais garçon. Honnêtement, c'est compliqué. Moi, je pourrais pas. Je pourrais pas assumer. On m'aurait chopé je ne sais combien de fois. Oh, très joli gymnase, j'aime bien. Déjà, frérot, à quel moment tu laisses un élève... Oh, tu laisses un élève tranquille alors qu'il a une batte de baseball. Ah, mais je l'ai niqué, là. Je l'ai... Oh non, il m'a chopé. Là, c'est vraiment cool de pouvoir faire ça, là. Oh, les gens, tu les balances de ouf. Oh, ça a l'air de faire mal, hein. Franchement. Il y a des gens tranquilles ici qui dérangent personne. Ah, on dirait c'est mon jumeau. Mon jumeau. Oh, ah, dégage. Roya, I'm the king of the world. Avec une batte de baseball. Ah non, mais c'est catastrophique, Roya, comme comportement. C'est pas possible de faire ça. Oh, t'es thune. Putain, mais t'es intouchable avec une batte de baseball. C'est un truc de fou. Regarde, tu peux racketter tout le monde. Et je crois qu'à chaque fois que les gens y respawnent, ils ont vraiment de nouveau leur argent de poche. Ce qui est bien, en soi. Franchement, ça, c'est un business plan de ouf, hein. Oh, regarde, lui, il est mal.
Oh putain, il me court après. Oh là là. J'aimerais bien le faire tomber. C'est vas-y, viens, 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 viens. Vas-y, vas-y, mets-toi là, mets-toi là. Je peux te taper. Oh, ah, c'est cheaté de fou. Vas-y, mets-toi là, mets-toi là. Vas-y. En face, un peu plus là, un peu plus là. Que je puisse te balancer là-bas, frérot. Non mais là, si tu balances le frérot dans le puits, c'est un meurtre, en vrai. Enfin, dans le puits, t'as capté. Vas-y, 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 viens vers là. Oh ! Oh putain, s'il était presque. Eh ben, c'est lui, le retour, il est mal. Ah ouais. Oh putain, wesh, comment tu m'as chopé, frérot ? Mais c'est n'importe quoi. Allez, là, la voiture. Ok, j'ai capté, man. Bon, let's go ! Il faut l'éclater à quel point ? Beaucoup, beaucoup, ou on doit genre... l'exploser, ou je sais pas, c'est bizarre un peu. Mais ça va. Ah ben oui, mais on est mort là, frérot. Bah on a quand même réussi. On est mort, mais on a réussi. Ok, c'est quoi la suite? Faut provoquer une bagarre et gagner au niveau de la cafétéria. Ah mais il y a même un étage, wesh. C'est incroyable, elle est très très grande l'école là. Wesh, il y a encore un autre étage. Mais c'est énorme ici. Attends frérot, je vais te balancer par le toit, vas-y, viens, 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 viens. Viens avec moi, voilà, 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 sur le toit, sur le toit. Viens, 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 hop là. Oh merde. Mais à chaque fois, j'ai envie de faire des meurtres, j'arrive pas! Qui est sur le toit du monde, Royard? C'est moi! Qu'est-ce qui se passe si je saute d'ici? Let's go! Oh non! Oh! Putain, mais t'as des jambes, mais en béton, frérot, c'est quoi ça? Alors, je sais pas c'est à qui, mais c'est sur mon chemin et ça me dérange. On va éclater ça! Attention, attention, vite, vite, vite! Oui, 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 oui. On va se battre contre quelqu'un de notre taille! Mais lui, je crois, un adulte, il peut nous choper, non? Ah bah oui, oui, ah, non, j'aurais pas dû faire ça. Lui là, je pense, ça va le faire. Ouais, lui, il est chaud, il est chaud. Mais par contre, je crois, il met un coup, je suis mort. Attends, je sais que c'est pas juste les Rey. Mais on doit se défendre comme il faut. On va gagner cette fight, même si c'est pas du tout juste là. C'est vraiment n'importe quoi. Là, regarde, le mec à la cuisine, il s'en bat les couilles. On va gagner les Rey. I think we're gonna win. Oh, franchement, c'est dégueulasse les règles du jeu, tu vois. Il a dit félicitations. On a terminé le premier jour. Ok. Alors, ça, c'est juste le premier jour. On a haggard plein de gens. On a fait exploser la voiture du proviseur. Quand même. Là, faut que je fasse exploser un pétard au niveau de chez le proviseur. Bonjour, on a le droit de rentrer ici? Je sais même pas, ouais, normalement, je l'ai surpris, il est en mode, mais qu'est-ce que tu fais là, petit gosse? C'est quoi cette dame, là? Attends, je peux parler, là? Je peux interagir? Ah, bah voilà, oh! Mais c'est incroyable, je lui ai baissé son froc! Ah non, il vient jusqu'ici, wesh! Vas-y, viens, 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 viens! Viens, frérot, je crois que je vais tuer le proviseur. Nous allons faire l'irréparable, les Rey. Ça dégage! Si je vise bien les Rey, ça peut être une catastrophe, hein. Ok, attends, on va tenter un truc. Tu peux pas venir vers là? Comme ça, là! Oh putain, pourquoi ces protections, frérot? Putain, ça doit être vraiment honteux pour un proviseur de se faire soulever, wesh. Bon bah, on a buté le proviseur, les Rey. Hein. Regarde, c'est moi le proviseur maintenant, les Rey. Oh, il a respawn, le frérot. Ah, on peut se tailler par la fenêtre carrément, genre faire une merde et se tailler. Allez, hop là, ça dégage! J'ai dit ça dégage! Voilà, On s'est taillé par la mauvaise fenêtre, les Rey. Ouais, ouais, mais frérot, non, c'est de l'abus quand même. Attends. Et c'est plus de foutage de merde, là, c'est trop! Carrément, le culot du mec. Regarde, regarde, on va se mettre ici. Allez! Ah, il est mort! Il est mort, ça fait plaisir. Et la meuf, on dirait, elle fait l'aveugle, elle s'en bat les couilles. T'es moi, je suis assis, croyant, voilà. T'es mon petit gars, toi. Je sais pas ce qui se passe, les Rey, vraiment. Bon, les Rey, on va essayer de faire un petit tour. C'est quoi ça? Wesh, les maisons sont ouvertes carrément. Elles sont surtout vides. Et il y a de l'argent. C'est des maisons vides, wesh, c'est des maisons témoins. Alors là, les Rey, c'est très joli. Oh là 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 là, une belle piscine, frérot. Ça mérite quand même un petit plongeon. Wesh, elle est un peu bizarre la piscine, j'ai jamais vu une piscine comme ça. Bon, c'est où l'endroit pour choper les pétards là? C'est pas possible. Peut-être qu'en explorant la map, nous allons trouver notre bonheur. Ok, on peut se tailler carrément. Wow, mais quoi? Mais, wesh! D'accord. Il y a un requin! Mais qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Comment les choses se passent? Ah, je peux me taper contre le requin? Ah, mais c'est du jamais vu, je peux interagir avec lui. J'ai soulevé le requin! Non mais attends frère, on est dans quel jeu là? Ah maintenant je me rappelle de ce que j'avais vu dans un gameplay avec du multi. Le multi de jeu c'est n'importe quoi frérot. C'est vrai qu'il y avait, des requins dans la piscine et tout. Pauvre requin qui se retrouve. Non 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 non, attends attends, ne meurs pas, ne meurs pas. C'est n'importe quoi. Le mec il a une force de fou malade. Ça peut me foncer dedans les caisses ou pas? Vas-y vas-y. Ah carrément c'est moi je l'ai renversé la caisse, c'est bizarre. Là c'est écrit blague. Ah mais c'est un endroit. Oh! Un endroit pour faire des blagues! Donc tu peux acheter tout ce qu'il faut, je pense, ici. Ouais, bah oui, bien sûr. Oh bah oui! Regarde ce que tu peux acheter, frérot. Ça coûte seulement 5$. Vas-y, mets-en la masse là. Et attends, je prends aussi un briquet à l'occasion. Non, ça c'est bien. Je me disais, frérot, j'étais en train de chercher, je trouvais pas. Du coup, j'ai acheté 6 pétards. Mais je sais pas si c'est des pétards ou de la dynamite là. Mais attends, mais par contre, c'est des malades de mettre une caisse juste à côté d'une école comme ça. Alors que c'est ouvert! C'est grand ouvert, c'est une invitation ou quoi? C'est quoi ça? Youhou! Salut Rey! Oh, on peut rentrer avec à l'école, c'est incroyable! Attends, je vais tuer tout le monde, je vais récupérer l'argent. Comme ça, je rentabilise l'achat des pétards. Oi, 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 oi! Magnifico!
Oh, attends, le pion. Je suis désolé, mais toi, là, je pouvais pas te rater, hein. Comment ça, normalement, il devrait appeler la police. C'est pas acceptable de laisser ce genre de choses se passer, là. T'imagines ou quoi? Attends. Ouille, mais moi, ça m'a enlevé de la vie, frérot. Attends, ça s'appelle un rouleau compresseur, ça? On peut conduire? Mais c'est des malades. Pourquoi ils mettraient ça à disposition? Mais c'est une machine à tuer, ça. Oh, Storf. Regarde comment ils sont devenus. J'avoue, c'est pas mal. J'aime bien. Il y a de l'idée. Mais est-ce qu'il est mort? C'est ça la question. Ah non, les gens ils continuent, mais ils sont dans une autre dimension en fait. Attention les reilles! Voilà! C'est le terminus. Ah là, frérot, je suis paré à exploser le. Là, c'est même plus faire une petite blague là. Attention. Oh! Ouh! Et ça explose de fou, wesh! Putain, il faut que j'en achète beaucoup plus des pétards en vrai. Ça te sauve de malade. Mais ça t'explose toi aussi en fait. Mais c'est même plus une blague ça! C'est un attentat, Starfall, là, c'est quoi ça? Et quiconque a un problème, regarde, il est en mode, frérot, tu fais quoi? Mais moi, je sais pas. Voilà, je suis mort, concrètement. Ah, la police! Enfin, la police! Même eux, je vais les exploser. Venez, vous croyez que j'ai peur? You think I'm scared, man? Ok! Eh, putain, c'est là qu'ils ramènent l'armée, frérot. Je déconne, monsieur la police, le dites pas à mes parents. Par contre, je veux bien votre caisse. Wesh. Oh là là, mais c'est n'importe quoi, mon ref! Yihi! C'est la police, les reilles, c'est la police! Mais là, j'ai littéralement gagné le game, là, non? Yiha! Et deuxième jour d'école, les reilles, c'est incroyable. Attends, lui, il lui reste pas beaucoup. Donne-moi ton argent, frérot, s'il te plaît. Ah, eh, oh! Comment ça, tu commences à courir? Tu l'auras voulu, mon ref, je t'avais dit. Putain, je préfère les caisses normales en vrai, hein. Franchement, les caisses normales comme ça, c'est vraiment le top. Ça écrase bien, c'est efficace, regarde. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et tu prends de l'élan, il y a quelque chose qui se passe. On va écraser une dame. Entre deux voitures. Oh lolo. Je vais faire une technique. La technique de c'est pas moi. Les gars, j'ai 400$. Putain. Je m'en suis fait des thunes, hein. Youhou. A gurney into the lake. C'est quoi, take a gurney? C'est quoi ça, wesh? Alors, une civière. Oh non. C'est pas gentil, wesh. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis pas quelqu'un comme ça, moi. Genre, les gens, ils sont à l'infirmerie, Msaken, ils sont là pour se reposer. Toi, tu es déglingue. En vrai, je te jure, je sais plus où est l'infirmerie. Bah, normalement, quand tu sais pas où c'est l'infirmerie, bah, tu fais tout pour t'y retrouver, quoi. Mais reste un dernier pétard. Oh, je vais éclater deux pions à la fois. Et lui, il est bugué depuis tout à l'heure. Ok. Putain, mais je suis toujours pas à l'infirmerie. Vas-y, tape-moi, mec. Tape-moi, finis-moi, c'est ça. Voilà. Ok, donc là, on y est. Magnifique. Allez, tu viens avec moi, Khoya. La rivière, c'est où? Let's go! Peut-être que c'est le truc où j'y étais, où je croyais que c'était une piscine, mais en fait, c'est une rivière. Enfin, c'est pas une rivière, un lac. Un lac, voilà. Moi, j'ai confondu parce que j'ai dit civière, rivière. Je suis pas sûr que ce soit ça, hein. Vraiment, je suis pas sûr. Ah bah, c'était ça, apparemment. Bah, attends. Tant qu'à le faire, autant bien le faire. Voilà! Tu nages bien, là. Il va se noyer, hein. Ouh! Un pongo, man! Alors, c'est quoi la prochaine étape, frérot? Il faut brûler 5 poubelles. Heureusement, j'avais acheté un briquet. J'étais prévoyant, frère. J'avais déjà... Oh! Mais c'est vraiment un malade. Mais attends, on peut les brûler, les gens, là? Parce que je crois que c'est du sérieux, non? Ah ouais, là, ils ont peur, hein. Ah, là, je crois qu'ils ont peur. Ah, là, ils ont... Mec, le pion, il a vraiment peur. Il est parti, il y avait pas de point d'exclamation. C'était en mode, j'en ai marre. Le pogo! Alors ça, pour t'enfuir, mon ref. T'es yumbe! Allez! Ouais, pour se déplacer, c'est bien, parce que je t'avoue... Des fois, en se déplaçant juste à pied, c'est compliqué quand même. Par contre, je peux conduire ça, là? J'ai bien envie de voir ce que c'est, la sensation d'écraser les gens avec un bus. Je parle dans le jeu, bien sûr. Alors, oh! Alors là, il n'y a rien qui nous arrête. Frérot, on va balayer tout le monde. Je sais pas si tu t'en rends compte. Attends. Là, ça dégage. Ouais, je regarde, il y a une voiture de flic, une autre voiture ici, on sait pas ce qui se passe ici. Attends, dégage. Ouille. Le pion, il s'en bat les couilles. J'en reviens pas de ce qui se passe, je te jure. Aucune réaction de sa part. Allez, toi aussi, attends. Ce qui fait trop le malin, depuis tout à l'heure, il me mate. Voilà. Attends, 2 secondes, voilà. Ouais. Oh, ça brûle. Merde. Ah bah voilà. Ça m'a balancé très loin, les reilles. Mais je pensais pas qu'à force de déglinguer des gens... Ah non, c'est parce que je tapais dans les murs aussi, ouais, c'est vrai. Dur d'être un hagar. En fait, j'ai bien envie de voir ce que ça fait de balancer un truc de loin, tu vois. Parce que de près, c'est compliqué, hein. T'as pas l'occasion de... Oh, voilà, t'as pas l'occasion de voir parce que tu te fais soulever, en fait. Vas-y, par exemple, si je balance là-bas... Ah ouais, mais ça a une portée de fou malade, en fait. C'est pas possible, cette histoire. Allez, tu balances. Yeah, ça va exploser. Par contre, les voitures, j'allais dire, ça pardonne pas. Oh là, ça fait bouger. T'es mal, les gens, ils sont tous mal en point à cause de moi. C'est pas possible. Personne n'est indemne dans cette histoire. Personne. Attends, on ramasse tout l'argent, là. Oh, toutes les thunes. T'es mal, toutes les thunes par terre, là.
Il y en a partout. Tout le monde a été mis KO à un moment donné dans cette histoire. On a combien? 500 $. Alors que j'ai fait voilà les achats quand même, je vous rappelle. Hein. Franchement, on investit, mais il y a un retour sur investissement, tu vois ou pas? Attends, c'est pas plutôt ça qu'on doit faire péter? Enfin, qu'on doit faire brûler? Parce qu'honnêtement, quand j'essaye d'autres trucs, c'est compliqué là. Ah bah si, c'est ça, wesh. Oh, oh les pompiers, M'saken. C'est pas sérieux d'embêter des gens comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y avait les flics aussi avant, ils sont venus, on les a soulevés, donc bon. Attends, on va faire brûler ça aussi. Voilà, c'est bien. Téma, il a vraiment peur, il s'enfuit, wesh. Attends, je te jure, s'il y a des pompiers qui essayent d'éteindre mes trucs, je vais péter un câble. Tout ce que je vais faire, je vais essayer de les déplacer, tu vois. Attends, ils l'ont éteint. Bah oui, ils l'ont éteint. Téma, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi, mec? Ah oui, regarde, ils viennent éteindre, les salauds. Attends, mais je crois pas que ça nique mes objectifs pour autant. Hein. Mais malgré tout, tu touches pas à mon œuvre. Tu touches pas à mon œuvre. La haine est plus forte que l'amour. Qu'est-ce que je raconte, frérot? Attends. Là, tu l'as cherché, hein. Voilà. Non, mais c'est ça qui arrive. Vas-y, bouge. Wow. Oh, j'ai cru qu'il allait partir dans le trou, ça aurait été masterclass de fou. Pauvre pompier, frérot, le pauvre pompier. Il a pas peur du feu, lui. Hein. Ah oui, il a vraiment pas peur du feu. Je vais te faire un petit cadeau. Aïe. Oh, mais il meurt pas, lui, ou quoi? Il veut pas se taper contre moi. Le pauvre pompier, ouais, il se fait hagar alors qu'il vient nous sauver la vie, littéralement. Bon, bah, bonne route, le rey. Bonne route. Mais c'est impossible de le buter, je te jure, ça fait je sais pas combien de pétards, je lui balance. Le frérot, il se relève à chaque fois. C'est un king. Franchement, c'est un king. Attends, bah, je vais le faire sortir de l'école directement. Je balance sur le mur. Ok, non, toujours pas. Ah, mais j'en aurai bientôt plus, là. Ok. Oui. Putain, je suis mort. Attends, il va rentrer chez lui. Attends, faut qu'on l'empêche. Tu vas pas rentrer chez Watt, mon ref. Tu rentres pas chez toi. Voilà, tu rentres pas chez toi. Attends. Allez, ciao. Wesh, il est avec moi. What the fuck? Il est rentré en tout cas. Il n'y a pas de souci, man. Même si ça me fait vraiment chier. Au final, ça dégage! Ah bah merde. Putain, je l'ai vraiment bloqué là pour le coup. Il ira nulle part. Sauf peut-être avec une petite aide. Une petite aide comme ça. Voilà. Comme ça. Oh lolo. La prochaine, c'est la bonne. J'ai le dernier. Là, je mise tout sur celui-ci. Je mise tout sur ça! Allez! Oh, miskin. Bon. Allez, donc pas en rester beaucoup là. Il y a celle-ci, et peut-être une autre dans le coin, et c'est tout, hein. Encore? Mais gros, je viens de te buter! C'est pas grave, comme vous avez pu voir, au final, ça nous empêche pas d'avancer au niveau de la mission, donc bon. Ah, laisse-moi tranquille, mec, laisse-moi tranquille! Mais lui, il s'en fout du feu, ou quoi? Ah oui, il veut pas me lâcher, lui. Yeah. Ah, elle était là, la dernière, voilà, elle était là. Mec! Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je veux juste brûler ça, et c'est tout, c'est bon! Les rey, on va tenter un truc. Aïe. C'est une catastrophe. Je sais pas comment est-ce qu'on s'en est sorti, mais bon. Maintenant, faut balancer un requin dans la piscine. Au moins, maintenant, je sais où est le requin, vu qu'on est tombé dessus tout à l'heure. C'est compliqué, là. On va vraiment devoir le déplacer à pied. J'avoue, je pense qu'à ma gueule. J'ai même pas pensé au requin skin, qu'il va mourir peut-être entre-temps. Bon, bah, on va refaire comme tout à l'heure, hein. Le même mode opératoire, j'ai envie de dire. Si on débarque avec comme ça va être un peu mal vu, hein. Peut-être je le jette par là, je le récupère de l'autre côté. Je vais tenter un truc. Je sais pas si ça va marcher, hein. Attends. Oh, dinguerie! Oh là, c'est un braquage que j'ai fait, c'est incroyable. Ok. Let's go! Ménage, Rouya! Voilà! Bon, on a fini la journée, je crois. Bon, les rey, je crois que ce sera assez pour aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait, je crois, 6 jours ou même 7 jours. Je suis pas sûr, mais en tout cas, si vous avez kiffé, laissez un petit like. Faites-moi savoir aussi dans les commentaires, pourquoi pas. Pour ça, nous, la vidéo. Peace!